Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Bienvenue une fois de plus dans ce décryptage sur Congo Live Télévision. Vous êtes nombreux comme nous sommes en train de les voir. Vous nous demandez comment se présente la situation dans les territoires des masses ici. C'est vrai, la journée d'hier était aussi très mouvementée par des affrontements, les déplacements de population, mais il faut tout de même noter aussi cette bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes patriotes Wazalendo qui ne désarment pas face à l'ennemi. Alors, en ligne téléphonique aujourd'hui, nous allons donc faire un point sur cette situation avec M. Héritier qui est déjà là. M. Héritier, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Bonjour. Monsieur le journaliste. Voilà, alors je tiens à rappeler que vous êtes porte-parole de l'APCLS. Alors avec vous, comme nous sommes en direct, dites-nous, la situation se présente comment ce matin à Masisi, d'une manière générale, et puis on va faire d'autres points en allant des différentes zones qui sont concernées par les affrontements. Non, en ce moment, la population doit être rassurée. Nous avons repoussé l'ennemi hier dans la soirée. Il a été copieusement bâti. Je crois, si c'était intelligent, il devrait plus revenir vers nous. Mais bon, ils ont encore réattaqué ce matin et nous sommes à leur poursuite. Alors, en gros, dites-nous les positions aujourd'hui qui ont été récupérées, parce qu'il y a aussi des mauvaises informations qui circulent. Quelles sont les positions aujourd'hui qui sont sous votre contrôle? Monsieur Héritier? Voilà, Héritier qui est toujours là. Mais c'est Héritier, Ils ont attaqué, écoutez. Oui. Je dis que partout ils ont attaqué, nous avons pris le défi. Hein, sur la colline de Nguingwe, nous les avons repoussés, chassés. Hein, sur là où ils sont venus vers Malehe, nous les avons chassés. Et sur l'axe Makombo King, nous avons copieusement bâti. Et donc, partout là, nous avons le défi sur l'ennemi. Et nous avons pris beaucoup de matériel, hein. C'est sur l'ennemi, des PKM, des 12.7, des mortiers 82, il a beaucoup perdu. Alors vous l'avez repoussé, alors c'est quoi la distance, si vous pouvez avoir les estimations, dès là que vous l'avez repoussé? Ben, nous sommes encore en opération, comme je l'ai dit, c'est un des kilomètres, mais cette journée est pour le ratissage, et je crois... on pourra vous donner la précision sur les zones dans lesquelles nous les avons repoussés. En des kilomètres, c'est pas comme ça que ça doit marcher, mon frère. Voilà. Alors, la menace a été écartée. Voilà. L'objectif était de lancer des attaques généralisées sur tout le front pour mettre la pression sur Goma. Dès aujourd'hui, ils pensaient pouvoir atteindre Goma aujourd'hui le 8, parce que d'abord ceux qui proviendraient de Sake devraient avancer vers Mugunga pour que ceux qui proviendraient de Kibumba, Kibati atterrissent à Goma d'après leur plan. Mais on a déjoué leurs cartes et en tout cas je crois que la menace est écartée. Alors selon vous, cette panique observée hier à Sake, selon vous, elle est due à quoi? La panique était légitime, vous voyez, l'ennemi était déjà dans Sake, parce que l'ennemi est arrivé jusqu'à Kimoka. Hein, et Kimoka, c'est à 2 km de Sake. Ça, le bravoure des combattants, sincèrement, des partenaires FRDC, l'ennemi aurait pris Sake. Ça, c'est indéniable. Hein, c'est grâce au bravoure des combattants et des FRDC que l'ennemi a été copieusement bâti. Sincèrement, ils ont perdu beaucoup de militaires. Je crois que dans la journée d'hier, ils ne peuvent pas manquer 200 hommes qu'ils ont perdus. C'est toutes les lignes de front que nous avons engagées hier. Alors, la population aussi, parce que c'est vrai, tout ce que vous venez de donner, toutes ces informations, c'est pour rassurer cette population. Mais elle doit retenir quoi, en gros, par rapport surtout à cette détermination dont vous faites preuve? Qu'elle reste confiante envers nous. Nous allons... En fait, je vous ai toujours dit que la République du Congo, c'est notre héritage sacré. Nous ne pouvons pas la céder à qui que ce
et les États-Unis. Voilà, vous disiez par rapport à la détermination qui est les États-Unis, vous disiez. Qu'il y ait n'importe quelle puissance derrière le M23, Oui. nous les battrons parce que c'est notre terre et nous sommes censés mourir pour la défendre. Voilà, ils ont un message aussi très important. Alors, au gouvernement aussi, parce que nous ne cessons de revenir sur les efforts politiques qui doivent intervenir, un message aussi au gouvernement. Vous savez que nous saluons la détermination du président de ne pas négocier des Rwandais, des étrangers, des Soudanais, parce qu'il y a des fuites Soudanais, des Ougandais, hein, qu'on veut déverser encore dans notre armée, notre système de sécurité, dans la politique de la RDC, et en fait, pour continuer, n'est-ce pas, à exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas que le président ou l'autorité gouvernementale accepte, hein, de tout ce qu'on lui propose. Non, il faut discuter avec ses amis, avec ses autres frères. Il n'y a pas de frères là-bas. Il y a des marionnettes manipulées par l'extérieur. Et on ne doit pas faire confiance à ces marionnettes au plan de ces aventuriers, hein, qui cherchent les petits sous en train de vendre leur république. Les hommes de paille comme ça, on ne peut pas accepter qu'ils rejoignent même le système politique de la RDC. Voilà, alors il y a les partenaires qui sont aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, les troupes aussi de la SADC. Est-ce qu'elles étaient présentes hier? Et si oui, c'était quoi leur apport? En commençant d'abord par la MONUSCO. Je crois que je ne peux pas discuter leur mandat. Chacun fait les rôles qui revient, n'est-ce pas, au mandat qui lui avait été confié par le père qui l'a envoyé. Ça, moi, je peux pas discuter leur mandat. Vous voyez? Oui. Je salue leur présence sur le sol congolais pour nous appuyer, pour ceux-là qui nous appuient. Et donc, nous saluons et nous les demandons de pouvoir continuer dans cette là, de nous appuyer. Est-ce que la MONUSCO était dans les opérations d'hier? Elle était dans sa position. Et selon vous, est-ce qu'il y avait des accrochages avec l'ennemi? Je ne suis pas surveillant de la MONUSCO et je ne sais pas. À ce que je sais, la MONUSCO n'est pas là pour faire des accrochages contre l'ennemi. Nous, et encore que la MONUSCO n'est pas notre ennemi. Hein, on était engagé contre notre ennemi. S'ils ont fait, ils n'ont pas fait, ça ne me concerne pas. La priorité, c'est qu'ils respectent leur mandat. Alors, qu'en est-il de la SADC? Parce que la population veut comprendre si ces forces sont là aussi pour nous appuyer. La SADC aussi, comment elle s'est comportée? Elle est engagée. Tout ce que vous pouvez dire à la population, vous devez la rassurer que la SADC est engagée. Hein, les trucs là, des médias, des réseaux sociaux fabriqués par l'ennemi, ne doivent pas décourager la population ou voir des mauvaises ailes, n'est-ce pas, les partenaires qui viennent nous appuyer. La SADC est engagée. Alors, la menace, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est loin de Goma, ou soit il y a quelque chose à craindre. À craindre, non, il n'y a pas à craindre. Même s'ils aillent rapprocher Goma, on va les repousser, on va les battre. Hein? Nous n'avons rien à craindre. Que la population reste confiante envers nous. Oui. Il n'y a rien à craindre. Parce que nous, on va aller où? Vous dites? Vous pensez que nous allons fuir Sake, Goma, hein, Kibati, parce que les M23 vont venir? Ils sont combien? Ils sont quoi? Nous allons les chasser. En tout cas, nous vous disons courage par rapport à cette détermination. Et c'est fait un plaisir, en tout cas, messieurs héritiers Ndangé. Je tiens à rappeler que vous êtes porte-parole de l'APCLS. Merci d'avoir été en ligne avec nous sur Congo Live Télévision. Merci beaucoup. Je salue à tous les partenaires qui ont contribué, n'est-ce pas, à la réussite d'hier. Tous les VDP, n'est-ce pas, dans l'ensemble, à les partenaires d'appui. Nous vous remercions aussi pour votre accompagnement, la population et tous ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes d'équerre avec vous et courage.
Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était donc les points que nous venons de faire par rapport à la situation d'hier. Héritier Ndangue, je le rappelle, il est porte-parole de l'APCLS, de Janvier, hein, Janvier Karahiri. Alors, mesdames et messieurs, voilà donc en gros la réalité là, c'est sur terrain. Lui-même vient de nous dire, il est maintenant là sur les différentes lignes parce qu'il garde leur position récupérée. Hier, parce que c'est vrai, il y avait une avancée de l'ennemi. L'ennemi a été repoussé, mais cette panique, il vient aussi de l'expliquer parce que l'ennemi était aussi proche des Saké. Voilà pourquoi la population a paniqué, s'est déplaçant même. Voilà donc ce qu'il faut tout de même retenir. Et maintenant, là, il y a déjà quelques signes positifs qu'on peut mettre à notre actif. Alors, au niveau des Kibumba, c'est un autre front qui et aussi à la une pour aujourd'hui. Déjà, on peut signaler aussi des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, avec leur position et appuyée toujours par les Rwandais. Nous cesserons donc de les dire, mais il y a déjà, comme vous savez, les affrontements, comme je suis en train de vous le dire, en cours entre les M23, RDF et FARDC sur l'axe Kibumba. Précisément tout près du marché Ruunda, village Rwibirange, groupement Burumba en territoire de Nyiragongo. Alors, c'est là qui ont plutôt, en tout cas, l'habitude de voyager sur l'axe Goma, Kibumba, Rutshuru. Il y a déjà qu'ils sachent tout simplement que les trafics sur la route nationale numéro D, il y a le trafic qui n'est pas aussi au point pour l'instant. Un message, voilà, de la société civile. Territoire de Nyiragongo. Alors, vous allez donc comprendre encore une fois que c'est avec la même détermination, que ce soit côté FARDC, Ouazalendo et d'autres partenaires. Héritier vient de le dire, c'est vrai, il n'avait pas aussi beaucoup de choses à dire sur l'apport de la MONUSCO, tout comme de la SADC, mais ces deux forces étaient aussi là hier avec l'offensive contre la prise de Saké, que l'ennemi était déterminé à faire depuis hier. Alors, c'est avec la même détermination, comme je suis en train de le dire, que les FARDC, les Ouazalendo et d'autres partenaires sont entrés. C'est avec la même détermination, voilà, qu'ils sont entrés aussi à faire face à l'ennemi. Nous sommes à Kibumba. Alors, on va revenir pour vous donner d'autres détails, suivant l'évolution, comme nous cessons de le faire, de la situation dans cette partie. Du territoire des Nyiragongo. Alors, c'est parmi aussi les fronts, disons, les zones où l'ennemi est entré aussi de faire face disons, aux forces loyales de la République démocratique du Congo. Alors, hier, nous étions en direct avec un cadre aussi de la société civile, un leader au niveau des Rutshuru qui a donné sa proposition en demanda à ce que nous puissions beaucoup plus nous focaliser sur l'axe au niveau des Kibumba, parce que c'est là où c'est la porte d'entrée même des troupes RDF pour venir aussi renforcer les positions de l'ennemi à Masisi et d'autres zones qu'on peut retrouver même à Rutshuru. Alors, si une fois nous arrivons à bloquer cette porte d'entrée, eh bien, ça peut nous permettre aussi d'avoir de contribuer, disons, à l'échec de l'ennemi. Pas en l'attaquant directement à Masisi, mais si on le fait, on s'accentue beaucoup plus, ou disons, on fournit beaucoup d'efforts sur l'axe des Kibumba. Allez-y comprendre, oui, ça peut aussi apporter un plus et aussi très considérable. Alors, dans tout ça, hier, on a senti une mobilisation générale. Il faut le préciser. Parce qu'en voyant même les léopards de la République démocratique du Congo aborder les matchs d'hier, on peut tout simplement comprendre qu'ils étaient aussi affectés, parce qu'en faisant passer les messages, au-delà de ça, ils étaient aussi affectés. Et sur terrain, je crois, ça c'est mon avis, on a vu en tout cas les léopards de la République démocratique du Congo avoir aussi ces sentiments, hein, beaucoup plus sur tout ce qui se passe ici à l'Est, et dans leurs prestations, c'était visible. Ce n'est pas comme ça que les léopards se produisent, parce qu'on a joué aussi les grandes équipes, le Maroc, ce n'est pas une petite équipe, l'Égypte, mais la façon d'aborder les matchs précédents et les matchs d'hier, on a senti quand même qu'ils étaient aussi touchés par cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ici encore pour nous l'occasion de rappeler au bon sens les politiques. Parce que c'est vrai, les léopards ont fait leur part. Mais les politiques aussi doivent continuer à
fournir plus d'efforts pour qu'il y ait cette solidarité. Cette solidarité n'est pas seulement à dire sur les médias, que ce soit sociaux, disons les médias, oui, les réseaux sociaux plutôt, mais aussi les médias traditionnels. On doit aussi sentir cette même détermination en faisant quand même certains gestes. Parce que si on observe encore une fois les déplacements d'hier, les nombreux Congolais qui ont quitté Sake, fuyant aussi la menace pour venir ici à Goma, il faut voir comment est-ce que les camps déplacés sont encore une fois débordés, voire même certaines familles d'accueil ici en ville de Goma. Donc avec tout ça, nous devons avoir cette même solidarité. Parce que cette guerre ne se joue pas seulement ne se déroule pas plutôt sur terrain, mais c'est aussi cet état d'esprit qui doit nous caractériser, nous qui sommes aussi, que ce soit dans les milieux ruraux ou urbains, afin que nous arrivons aussi à vaincre l'ennemi. L'héritier qui vient de le dire, déjà lui, qui est le porte-parole de la paix céleste, il vient de vous montrer qu'ils sont toujours déterminés. C'est vrai, on peut, c'est bien bon de démontrer la force de l'ennemi. Sur les réseaux sociaux, oui, ils sont appuyés par, je ne sais pas quelle puissance, d'autres pays voisins. Mais au-delà de ça, ils vont mesurer leur appui à la détermination des FARDC, des Génois Alendo et des nos populations congolaises. Ça va tenir compte aussi de notre détermination et c'est comme ça qu'on va peut-être arriver à vaincre l'ennemi. Allez-y comprendre, c'est vrai, il y a une donne populaire qui est en train de se faire sentir même dans cette guerre. Et si nous arrivons aussi à nous comporter comme il se doit, tous, hein, pas seulement ceux-là qui sont au front, même si vous vous trouvez maintenant là à Matadi, allez-y comprendre que ça nous concerne tous. Vous vous trouvez à Paris, vous vous trouvez, je ne sais pas, aux États-Unis. Allez-y comprendre, mesdames et messieurs, que cette situation nous intéresse tous comme Congolais. Et nous devons, encore une fois, fournir assez d'efforts. En tout cas, j'étais en train de revenir sur les prouesses des léopards, durant toute cette campagne de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas terminé. Les samedis, ils vont se produire même contre l'autre perdant d'hier, les Sud-Africains, dans un match comptable pour la troisième place, eh bien, on a besoin de cette médaille. Nous sommes déterminés derrière les léopards et nous sommes entrés encore une fois d'appeler qu'il y ait des efforts politiques. J'ai lu un truc, Bitakuira, lui qui appelle Kamere et Bahati Lukwebo d'appeler leurs frères hein, parce qu'ils font partie d'une même tribu. Bertrand Bissi, moi, de cesser avec cette aventure. En tout cas, c'est son interprétation, mais ça n'a rien à voir avec une tribu, je ne sais pas quoi. Parce que si nous voyons les membres qui composent aujourd'hui, que ce soit les directoires du M23, on peut y trouver plusieurs tribus. Et ces gens n'ont pas été mandatés par leur tribu, ou disons les leaders de certaines tribus ici au pays. Donc, ils font leurs aventures là-bas, ça n'a rien à voir avec que ce soit la République démocratique du Congo. C'est vrai, ce sont nos populations qui sont en train d'être victimes de tous ces engagements de certains de nos compatriotes dans des rébellions aujourd'hui et appuyés par les pays agresseurs. Mais, mesdames et messieurs, comprenez encore une fois que ça n'a rien à voir avec les histoires des tribus. Ou soit, c'est une façon pour Bitakuira démontrer encore une fois que lui, il est dans les bons sens, tenant compte aussi de l'apport politique que la province, par exemple, décide qui vous peut apporter dans tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lui, il est dans une bonne position. Il n'est ni concerné de loin ou de près par quelqu'un dans les M23. Mais ce n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui. Tout Congolais aujourd'hui doit aussi se sentir concerné par tout ce qui se passe et doit aussi montrer sa mobilisation et non pas encore chercher des discours divisionnistes. Tel est un frère là-bas, il doit dire à son frère de laisser avec ça. Ce n'est pas ce qui doit nous intéresser aujourd'hui. Alors, voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais, nous sommes en train de suivre la situation à Kibumba. Et dans un. Disons, on va donc vous faire les points, comme nous le faisons souvent, de la situation sur Congo Live. Donc, restez toujours branchés et invitez d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnez sur la chaîne de les faire tout en activant surtout la cloche des notifications. Ça va vous permettre de suivre en temps réel toutes nos productions parce que vous ne cessez aussi de nous encourager
en tenant compte de ce que nous sommes en train de faire. Faites-les encore une fois, commentez nos productions tout en nous écrivant sur notre numéro privé, voilà, le plus 243 9 98 72 43 14. Plus 243 9 98 72 43 14. Congo Live est déterminé à vous servir parce que vous le méritez. Plusieurs faits sociaux, politiques, sécuritaires aussi interviennent. Et nous allons encore une fois revenir vers vous pour bien vous accompagner. Merci et restez toujours là pour suivre toutes nos productions, comme j'étais en train de le dire. Invitez d'autres Congolais, si vous êtes des membres de la diaspora, invitez d'autres Congolais, d'autres compatriotes, de suivre toutes nos productions et ça nous fera énormément plaisir.